Du point de vue juridique, cet arrêté est basé sur une idée d'urgence, justement. Et la notion d'urgence, lorsqu'elle se répète 4 ans d'affilée, lorsqu'elle est prévisible, eh ben, il est délicat de l'invoquer, il n'est pas normal de l'invoquer, elle n'a pas sa place. Donc c'est sur ce motif-là qu'on attaquera l'arrêté, qu'on le portera devant les tribunaux. On ne s'interdit aucune action, on prévoit en particulier de procéder à des consultations populaires locales sur le thème des déchets, et on participera aussi, on appellera et on participera à des mobilisations populaires.